Les amis, la mère de Happy est vraiment en larmes. Voilà, il y a des escrocs, des arnaqueurs qui ont déjà conçu une affiche pour les cotisations, pour les quêtes et tout. Donc, elle nous supplie de partager cette information. Les gars, partagez la vidéo. Vous savez, il y a un frère, un proche de la famille de Happy qui m'a contacté. Le lendemain, quand j'ai fait la vidéo concernant Happy, comment on voit Happy dans la rue avec les babouches, il m'a raconté il m'a raconté tellement les choses. Et comme vous pouvez voir nos conversations là, il m'a dit ce jour-là que Happy, la mère de Happy, a tout abandonné à Ebolova, où elle se trouve actuellement à l'hôpital Jamo avec Happy. Depuis, je crois, mardi, Happy est sous soin. Happy n'est pas abandonné. La famille de Happy ne l'a pas abandonné. Donc, la mère a tout abandonné, comme vous pouvez lire là, pour prendre soin de Happy. On ne sait pas à quel moment Happy s'est échappé de l'hôpital Jamo pour se retrouver dans la rue. Et les gens ont fait les vidéos là. Quand la vidéo se retrouve même sur Facebook, Happy est déjà à Jamo. Donc, quand les gens viennent raconter, comme je disais que c'était le buzz, le gars m'a rassuré que ce n'est pas le buzz. Il me suppliait depuis de faire la vidéo pour dire la vérité. Il disait moi que, encore une histoire de frère. Je lui demandais les preuves. Vous vous rappelez quand une autre soeur était venue me dire que je suis la seule de telle personne qui est portée disparue, qu'il est mort. Ça a failli coûter ma peau. Donc, quand quelqu'un m'appelle encore maintenant que je suis, je dis seulement que, il a fallu donc que j'aille sur la page de Petit Malo. J'écoute les conversations, les audios de la maman. Je vais mettre à la fin que vous allez écouter. Les mêmes audios là. Le jeune qui m'a contacté là m'avait envoyé tout ça. Même le voice de la maman qui disait que non, ils n'ont pas demandé à quelqu'un de cotiser. Ils n'ont pas monté la fiche. Si quelqu'un veut cotiser, si quelqu'un veut aider Happy, c'est mieux de contacter la mère directement. Donc, allez à Jamo. Donc, les gars, on a monté les trucs pour anaquer. Comme vous pouvez le voir là, Happy est vraiment malade. Et comme sa mère dit, Happy est dans une grande famille. Happy n'a pas encore dépassé sa famille. Parce que nous avons vu ici sur Facebook, certaines publications, que depuis un certain temps, on prend soin de Happy. On s'est battu à notre niveau comme on pouvait. Happy nous a dépassé. La situation que vous voyez Happy dedans maintenant, on ne sait plus quoi faire. J'ai même demandé à son frère que donc celle qui allait faire les publications sur Facebook, elle fait ceci, elle fait cela pour Happy, n'a rien fait. Le gars me dit que ce sont les gens de Douala. Nous, on ne connaît rien. Personne n'a rien fait pour Happy depuis. Mais vous êtes sur Facebook en train de nous dire comment vous vous êtes battu. Tous ceux qui tournent autour de Happy, là, vous avez vos intérêts. Arrêtez de... Je ne sais même pas comment traiter ça. C'est même quoi cette histoire? Je vais mettre les voix, vous allez écouter. Happy est vraiment malade. Donc, si quelqu'un veut aider Happy, je n'ai pas le contact. Quand il faisait la vidéo, je n'ai pas demandé s'il doit mettre le contact ou pas. Je ne sais pas. Donc, Happy est à l'hôpital Jamo. Donc, si vous arrivez là-bas, Happy, c'est quelqu'un qui est public. Donc, si quelqu'un dit qu'il vient voir la mère de Happy étant à Jamo, c'est qu'il est sûr. On va montrer que, voilà là. On va lui montrer que voilà la mère de Happy. Donc, quelqu'un veut aider Happy, allez directement à l'hôpital Jamo. Vous allez rencontrer sa maman. Donc, les histoires, les quêtes que les gars ont lancées sur le réseau, ce sont des arnaqueurs. Maintenant, vous allez écouter, je vous laisse écouter les voices. Écoutez attentivement les voices. Ok. Ce sont les choses comme ça qu'ils aiment. Pardon, écris un journal. Tu dis que parce qu'il y a les gens qui prennent l'argent là. Derrière le dos de Happy, sous prétexte que c'est la famille de Happy qui demande l'argent. La famille de Happy ne demande pas l'argent. Dis-là de ne rien donner. Dis-là d'arrêter ça. Dis-là d'arrêter ça. Tous ceux qui mettent les fiches là, soi-disant qu'ils vont aider pour. Ils font les fiches pour qu'on aide Happy. Dis-là d'arrêter ça. Happy est dans une grande famille. Après, on va se mettre à m'insulter demain ou après-demain, mon fils et moi. Il ne demande rien. Le problème, c'est que même la personne qui a posté ça, c'est Petit Malo, tu vois.
Lui maintenant ne sachant pas que non, c'est de l'arnaque, c'est un vol. Donc lui-même il a pris sur le journal de quelqu'un, il est venu poster donc, et tu m'as donné au courant de rien. Donc beaucoup là vont se dire là que c'est lui qui a monté la fiche et tout le reste. Non, c'est pas Petit Malou, lui ne connaît rien. Donc il a juste pris dans le journal, il est venu reposter ça. Sans savoir le derrière de la chose en fait. Mais déjà, il le sait déjà. Parce qu'on a pu couvrir avec lui. Il le sait déjà que c'est de l'arnaque en fait. C'est quand il a Bastos que Atsu m'appelle. Tu connais Atsu? On m'a parlé. Ricardo m'a envoyé le numéro d'un certain Atsu là. Oui, c'est Atsu qui. Atsu ne m'appelle même pas. Atsu appelle ma petite soeur parce qu'ils étaient les camarades de classe. Tu dis à ma petite soeur que je vois ton petit neveu ici, il est ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que ma petite soeur dit à Tu que mais il est à l'hôpital avec sa maman qui est ma grande soeur. Voilà comment ma petite soeur filme mon numéro à Tu. Je suis allée le chercher. Donc, où il est là? Où il est en babouche et tout et tout? Api avait fui l'hôpital. Api était déjà interné sous traitement. Tu vois un peu? Mm-hmm. C'était un peu ça. Donc, la vidéo est sortie un peu tard, c'est bon. Pardon? Ça veut dire que la vidéo s'est sortie un peu tard. Il était à l'hôpital. Non, la vidéo est sortie tard. Ah, puis lui, il est à l'hôpital. On l'a filmé, mais on a sorti ça un peu tard. La vidéo sort, ah, puis lui, là, il est couché à l'hôpital. Ok, vous êtes déjà à Yaoundé. Non, je serai, si je ne quitte pas ici, là, demain, très tôt, dimanche matin. Lundi va me trouver à Yaoundé. Je vais prendre la route dimanche soir. Ok, ça veut dire qu'on va, enlever la fiche. Enlever la fiche là. Oui. Tu vois un peu, c'est une sorte de bon. Et puis ne nous dépasse pas encore, tu vois un peu. Et puis elle est dans une grande famille, tu vois. Mais celui-là qui veut vraiment faire un petit geste, que non, mon frère, nous sommes dans le monde, qu'il le fasse. Mais pas les affiches et tout, c'est une sorte de mendicité. Et après, on ne sait pas qui va m'insulter, mon fils et moi, n'est-ce pas? On avait, je ne veux pas. Dans la famille, et puis ne nous a pas encore dépassé, tu entends? Non? Et puis dans une grande famille, c'est lui-même, c'est et puis lui-même la bêtise. Permets-moi de dire ça ici. C'est et puis lui-même la bêtise. Puis est dans une grande famille. Ce n'est pas Piki qui doit aller parler que je n'ai pas là où habiter, comme il parlait à Canal 2. Ça, c'est la bêtise. Les gens qui nous connaissent, c'est autre chose. C'est que Api, lui, veut la vie du dehors. Tu vois un peu. D'accord. Allô? Je vous suis. Non. Api va encore donc la vie du dehors. Il pense qu'il est agrand. Et puis n'est pas encore grand. Il n'a que 24 ans ou 4 distances. Et puis c'est encore un enfant. Il est déjà le jeune de vie qui attend. Il vit déjà moi-même. Alors qu'il ne connaît rien. C'est encore un enfant. Ok, maman. Non, on était inquiet. C'est pourquoi. Non, et puis n'est pas dehors. Et puis est à genoux. Dans la vidéo, là, est sortie tard. Et puis la vidéo, là, est sortie tard. D'accord, maman. On va garder le contact. Si on a un truc, ils vous feront signe. Alors, il n'y a pas de souci. C'est ça. Je n'ai pas envoyé un communiqué en tant que tel que vous. Non. Ce n'est pas encore un niveau où ça nous dépasse. J'attends à mon fils. D'accord. Ce n'est pas encore à ce niveau. La famille est debout. Mais si quelqu'un veut faire un geste de cœur, je ne vais pas refuser. Ok, ça marche, jamais. On fait comme ça. Vous passez une belle nuit. Vous aussi. Ok, merci. Vous avez bien compris. Donc, si quelqu'un veut faire un geste de cœur, la maman de Happy reste ouverte. Et vous avez encore compris comment la mère de Happy dit lui-même que laissez les différents producteurs, managers tranquilles. Le problème, c'est Happy. Le problème, c'est Happy, parce qu'Happy veut la vie du dehors. C'est sa maman qui nous dit que Happy veut la vie du dehors. Que Happy, donc, si vous entrez dans la famille de Happy, vous allez comprendre que Happy, je peux aller loin et dire que Happy fait la honte de sa famille. Donc, quand j'entends la maman parler, c'est comme si Happy est carrément différent de ses frères cadets. Puisque
il est l'aîné de cette maman. Donc, les amis, max de partage, partagez les vidéos aussi, partagez la vidéo aussi pour informer tout le monde. Il ne faut pas que les arnaqueurs là se font de l'argent derrière le dos de la famille de Happy. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.